Et salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Gaming06. Donc les amis, aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu The Crew 2. Les amis, dans cette vidéo on est parti pour découvrir ensemble toutes les nouveautés de la semaine. Donc les gars, on a du bundle, on a du summit, bon de toute façon on va tout découvrir ensemble. Mais avant de commencer, comme d'habitude, on va faire les résultats du concours photo qui se passe sur le Discord. Donc déjà, dans un premier temps, merci à tous d'avoir participé, GG aux 3 vainqueurs. Le thème de la semaine c'était les vacances à la plage. Donc, alors, en première position, on a Golden GG sur Forza Horizon 5 avec la R8 et du coup, on a les scooters des mers là juste devant. Bon, franchement, la photo est vraiment stylée, donc un grand GG à toi. En deuxième position, on a Idéfix sur The Crew 2 avec la Beetle, la planche de surf dessus et tout, franchement stylé. En premier plan, on a du coup les transats avec les parasols, les petits personnages dessus. Bah, franchement, sympa, GG. Et après, en troisième position, on a Timog, pareil sur The Crew 2, avec du coup un petit coucher de soleil, la voiture là, bah, c'est franchement, c'est bien bien stylé. Donc GG à vous trois les gars. Et du coup, le nouveau thème de la semaine, ça sera tuning à l'ancienne. Véhicule datant d'avant 2010, n'oubliez pas. Voilà, donc les potos, c'est à vous de jouer. Et maintenant, on se donne rendez-vous directement au QG. Bah voilà les potos, on est au QG. Alors, il me semble par contre que j'avais full pièce dans la boîte aux lettres. Donc si c'est le cas, ce que je vais faire, c'est que je vais tout vider. Bah, vous savez quoi, je vous reprends de suite après. Ok, donc là c'est bon. Alors on va voir un peu les résultats du summit. Qu'est-ce que ça donne? Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas retourné dessus pour le farmer. Bah, ça m'a fait arriver 1262e. Bon, c'est pas un résultat de ouf. D'habitude, je suis tout le temps... Enfin, je suis généralement en dessous des 1000. Bon, bref, on s'en fout. De toute façon, la voiture, je la possédais déjà. Donc là, je suis à 98 945 000. Alors, on va voir combien d'argent ça va me faire gagner, sachant que je possédais déjà la voiture. Alors, voyons voir. Je valide. Ouais, donc ça me fait, donc ça me fait une belle somme d'argent quand même. Hein. Ça me fait une belle somme d'argent. Ok, un peu moins d'un million, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Donc alors, les potos, maintenant, dans le summit de ce semaine, comme vous voyez en platine, on gagne des pièces en RX multiplicateur de score. Après, en or, on gagne le BMW X6M. En argent, on gagne les 52 000 écrous comme d'habitude. Et en bronze, les 150 000 followers. Alors, on va regarder de suite les épreuves. Donc ça, je vous donne rendez-vous comme d'habitude aux alentours des 21h-21h30. On se fera le petit guide platine de ce summit. Donc on a de la fuite, du slalom, de l'aérobatique, du motocross, du touring car. Bon, motocross, ça risque d'être rigolo. Rallye cross, touring car, rallye raid et street race. Bon, ok. Bon, bah, les épreuves sont assez sympas. Il y a peut-être la motocross, je sais pas trop ce que ça va être, mais bon, généralement, sur ce genre d'épreuves, on a quand même pas mal de raccourcis. Là aussi, c'est possible qu'on ait pas mal de raccourcis sur le rallye raid. Bon, on verra ça ce soir, les gars. Comme j'ai dit, 21h-21h30, ici même, sur la chaîne YouTube. Allez, donc maintenant pour les summits de la semaine prochaine et plus, donc là en platine on gagnera un petit pneu néon rose, bon ok, je possède déjà. Après là, on gagne en platine le toit, le Wolf Guard, bon ça marche. Et là du coup, ah pas mal les amis, regardez là, en platine, on gagne la Forsberg Racing, la Nissan 370Z Dominion Edition. Donc bon, bah, ça nous fera une nouvelle voiture en plus à gagner sur le jeu. Donc pour tous les platines, hein, donc pour les 11 000 premiers sur PlayStation et du coup les 4 000 et quelques premiers sur Xbox et PC. Un truc du genre. Bon, voilà, allez, on s'échappe de là. Bon, ça fait plaisir. Une nouvelle voiture, du coup, ça, c'est cool. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au shop. On va voir un peu ce qu'on peut acheter cette semaine. Alors, voyons voir. Donc ça, le Welcome Pack, c'est bon. Là, on a le Rust Bundle à moins 30%. Donc, ça me fait 22 400 cc. Ok, bon, pour 22 400 cc, j'achète uniquement le Underglow prismatique orange. Donc, bah, allez, on va claquer de la thune, les poteaux, et on achète ça, 22 400. Voilà, donc ça, c'est acheté, c'est validé. Après, là, le Prestige, le bundle, la Prestige, n'hésitez pas à l'acheter, parce que dedans, il y a la voiture noire. Les gars, la voiture noire, c'est un petit monstre sur le jeu, donc vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour ceux qui ont l'argent, bien évidemment, dans le jeu, n'hésitez pas à l'acheter. Après là, les Edit Bundle, donc forcément, on a la Bugatti, la 300+, donc la voiture, l'hypercar, la plus puissante et la plus rapide du jeu. Donc ça, bah, c'est juste obligatoire. Si vous voulez vraiment la meilleure voiture du jeu en hypercar, ça, il faut vraiment l'acheter. Le Dominion en série, ok. Bon, voilà. Donc là, on a fait le tour de tous les packs. Je possède tout. Là, le Green Pack, donc ça, c'est ok. Bon, ok. Après, dans les vanités, ah, voilà. Donc là, il y a un truc que je ne possède pas.
Est-ce qu'il y a autre chose que je ne possède pas? Non, tout le reste je possède. Donc là, on a un petit set de pneus. Après, là, on a du coup de la fumée, underglow, du NOS, encore underglow, underglow. Bref, nous, ce qui nous intéresse là pour le coup, c'est le toit, le projecteur de toit rouge. Donc alors, voyons voir un peu ce que ça donne. Voilà, ça donne ça. Oh punaise, il me l'installe sur la Bugatti. Pas ouf. Donc ça, je le désinstallerai bien évidemment. Donc 32 000 cc les gars, donc ça m'a fait dépenser 50 000 cc là, pour cette vidéo. Donc allez, on achète 31 000, 32 000, boum. Ouais, je suis quasiment à 50 000 cc, même un peu plus de 50 000 cc pour cette vidéo. Donc 50 000 cc les gars, ça nous fait un peu plus de 5 euros quand même. Donc bon, ça revient quand même assez cher, on va dire. Allez, pour ça on est bon, maintenant on s'échappe de là. Alors je remarque qu'il y a pas mal de courses que je n'ai pas encore fait. Et je me tâte à les faire en live, pourquoi pas un de ces quatre. Là il y a des courses dans le touring car. J'ai vu qu'il y avait également des courses dans l'off-road et j'ai quelques courses aussi en street race à faire. Et il me semble qu'il y en a, ouais, il y a des courses aussi en drift à faire. Donc j'ai une course en street race et des courses en drift. Donc je pense qu'un de ces quatre, on va se faire un live. Et du coup, je farmerai toutes mes courses et pourquoi pas les faire avec vous les abonnés. Pareil pour là, ici, là, les courses de Dominion, Forsberg. Là, j'ai pas mal de courses à faire. Et du coup, pourquoi pas les faire toutes en live aussi également. Et surtout les faire jusqu'en difficulté extrême. Donc ça nous laisse pas mal de courses dispo, quoi, hein. Ça nous fait pas mal de courses à faire pendant le live. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être intéressant, surtout pour ceux qui veulent jouer avec moi, quoi, ceux qui me demandent à chaque fois de jouer avec moi, ça peut être cool. Bon ben voilà les amis, du coup, on a fait à peu près le tour de toutes les nouveautés de la semaine. Hein. Donc le nouveau Summit, le nouveau pack et bien évidemment la nouvelle voiture qui arrive, la Nissan 370Z pour le futur Summit. Donc ça c'est assez cool. On s'échappe de là. Bon au final ça va, ça m'a pas installé la barre de toit sur la Bugatti, la voiture noire. Alors les amis, n'hésitez pas à me rejoindre du coup sur Instagram. Pour ceux qui ont vu ma story, il y a quelques jours en arrière, il y a eu un petit rassemblement là du côté de Jean Lépin avec des Bugatti, tout ça. Je mettrai quelques photos sur Instagram, histoire de vous partager ça, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Bon bah, les amis, du coup, j'ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Les gars, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Comme j'ai dit, hein, ce soir aux alentours des 21h, 21h30, ici même sur la chaîne YouTube. Vous avez les partenaires Burn Controller et Instant Gaming. Vous avez ça dans la description. Donc n'hésitez pas à aller check ça. Ça peut être intéressant pour vous si vous voulez acheter des jeux beaucoup moins chers, autant sur Play que sur Xbox ou sur ordi. Voilà. Allez, sur ce, les potos, je vous dis bon game à tous. Le petit burn final qui va bien. Et à plus, les amis, à plus. Allez, ciao !